En plein rodéo urbain à motocross, il fauche une femme et sa mère en fauteuil roulant avant de prendre la fuite. Regardez, regardez parce que constamment, lorsque un policier ou quoi abuse ou fait des choses qu'il ne faut pas ou quoi, on dénonce. Mais les premiers qu'on devrait dénoncer et qu'on doit et qu'on a déjà fait et qu'on continuera, c'est ces jeunes-là inconscients. Ces jeunes-là inconscients qui font n'importe quoi. Bah oui, parce que parfois, il y a des policiers en fait, ils vont essayer de bloquer ce genre de personnes-là. Qui font des rodéos et qui blessent des civils et qui finissent malheureusement bah, en drame. Mais auparavant, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient quelqu'un qui était un danger pour la population. C'est ça aussi qu'il faut se dire, les gars. Donc, c'est bien de manifester contre la police, etc. Mais il faut manifester contre ces jeunes-là. Il faut manifester contre ces gens qui sont des dangers pour la population. Mettez-vous à la place là, de n'importe quel membre de famille de cette femme. Regardez, une femme, elle est en train de pousser en fauteuil roulant sa maman et elle se fait faucher par un jeune comme ça. Imaginez-vous, vous êtes le fils, vous êtes le frère, le père de cette personne-là. Quelle rage vous allez ressentir envers ces jeunes-là. Eh bien, faut se bouger aussi contre ces gens-là. C'est pas possible. On doit nettoyer en bas de chez nous avant de sortir je ne sais où manifester.